Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play. Donc la dernière fois à la fin de notre de l'épisode, j'avais dit que j'allais rester sur le trône un peu pour récupérer de la vie, mais je n'ai pas pu car je me suis fait attaquer. Donc à ce moment là j'ai tout de suite arrêté de jouer. Donc je pense que si je reprends la partie, on va sûrement avoir l'attaque de notre chez nous. Donc on va devoir sûrement le défendre. Alors donc c'est parti, on va voir. Est-ce qu'on se fait attaquer? J'avais eu un message, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir ça tout de suite. J'avais reçu un message comme quand on se faisait attaquer. Oui, on se fait attaquer, je crois. Tête de mort, ouais, je crois que c'est parce qu'on se fait attaquer. Donc on va aller tout de suite voir ce que c'est. Allez, dépêche-toi. Alors, hop. Allez, allez, allez. Ouais, on se fait attaquer. Donc des squelettes, c'est parti. Faire attention à ma vie, que j'en perds pas trop. Allez, allez. J'ai beaucoup de mal à les tuer. Comment ça, ils arrivent à rentrer dans notre chez nous là? Ouh, c'est bizarre ça quand même. C'est bien la première fois que ça m'arrive. C'est la première fois qu'ils arrivent à passer le mur aussi facilement. Ouais, mais je sais pas. Ah, je peux manger ça. On va manger ça, on va utiliser ça. On va y retourner en espérant que je vais m'en sortir. Non, mais allez, attaque-le là. Allez, 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 allez. Yes, maintenant loot. Ok, c'était trop chaud, trop chaud, trop chaud. Ok, alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux réparer, mais il me faut de l'argile, j'en ai pas. Ok. Et de l'argile, on en trouve que dans la mine. Ça m'ennuie beaucoup d'aller dans la mine parce que c'était pas prévu. C'était pas prévu, mais il me faut absolument de l'argile pour réparer notre château. Donc c'est ce qu'on va faire, on va aller dans la mine. Tant que ça charge là. J'ai encore... Non. On va s'équiper de ça. Voilà, on va descendre en bas. Et c'est parti. Et on va visiter ce coin là. J'ouvre ça. Alors, si je peux avoir de l'argile assez rapidement, ça serait super. C'est quoi ça? Charbon, d'accord. Pierre, ouais. Du fer. Minerai de fer. Oh, 4 d'un coup. Ah, c'est pas mal ça. Cuivre, non. Que je continue à perdre de la vie au fur et à mesure que je reste dans la mine. Et d'ailleurs là je trouve plus de minerais. Ouais, là au fur et à mesure que je creuse, je reçois, ah quand même, argile, c'est bon. On reste pas plus longtemps, ça sert à rien. J'ai pas vraiment besoin de plus de ressources pour l'instant. C'est plutôt du bois parce que le bois, j'en ai pas beaucoup. Donc, on va monter. Réparer, yes. Hop, je répare ça. Ok, génial. Combien il me faudrait pour le monter en level? Ok, donc là il me faut de l'argile, construire une tour de guet.
Ouais, l'argile peut être intéressant d'en récupérer encore. Des planches et tout ça, ça je peux en faire, je crois. Ouais, mais ça va être la corde, je crois que ça va être un petit peu plus embêtant d'avoir. Je vais me rééquiper de ça et c'est parti. On va aller de ce côté. Là, lui, je sais plus ce qu'il me donne. Par contre, on a un piège que je vais laisser là parce que ça sert à rien de le récupérer. Pour l'instant, j'ai pas de camp, rien du tout. Ok, il y a un loup. Vu ma vie, vu ce que j'ai, c'est pas la peine que je tente le loup. On va essayer juste de tuer. Je sais pas si on récupère des ressources avec lui. Ah si, des glands. Ouais. Si c'est que des glands que je récupère, c'est pas la peine. On va aller de ce côté. Je présume qu'il y aura aussi des loups. Ouais. Il y a aussi des loups. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Je réfléchis à ce que je peux faire. Déjà, on va descendre. On va descendre, on va voir si je peux me faire l'arme. Je crois qu'il me fallait des défenses. J'en ai deux là, mais je crois qu'il m'en fallait un petit peu plus. Donc on va aller voir ça tout de suite. La cuisine. Non, ça c'est les potions. De toute façon, je peux pas en faire. Je vais manger juste les murs. Alors, on va prendre les défenses. Oui. J'ai des planches, on va les prendre. Hop. De la pierre. Non, c'est bon. J'ai 4 cordes, ok. Il m'en fallait 5, je crois, pour faire les défenses. Donc, c'est pas la peine. J'aurais peut-être pu mettre le minerai de fer et tout ça, peut-être stocker ça au moins. Bon, c'est pas grave. On va déjà voir si je peux faire une arme améliorée. Parce que celle-là, franchement, juste un bâton là. Ouais. C'est bon. Ça saoule. Alors. Yes, oui. Utiliser. Et voilà, on a un bâton qui est beaucoup plus costaud. Ça c'est dégâts 10 à 17 et là 10 à 17 je peux pas le voir là. Massue en os, dégâts 15 à 28. C'est déjà un petit peu plus intéressant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le trône pendant un certain temps pour récupérer de la vie. Ça sert à rien de filmer à ce moment-là, donc je vais couper dans l'enregistrement et je vous reprendrai quand il aura toute sa vie. Donc voilà, moi je vais couper. Allez, à tout de suite. Je crois qu'on se refait encore attaquer, donc on va aller voir ça de nouveau. Je comprends pas pourquoi on se fait déjà attaquer. C'est rapide. C'est très 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 rapide, je trouve. La première fois que j'ai fait une partie, c'était pas aussi rapide. On se faisait pas attaquer en l'espace juste de quelques minutes. Est-ce que notre arme va faire l'affaire? Il attaque avec les pieds alors que des fois... Bon, je vais mourir, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai pas le choix parce que j'ai plus de... Donc on revient à la vie. On a perdu de l'argent. Hop, vas-y.
Et au moins on a toute notre vie quoi. Mais bon, ça m'ennuie quand même beaucoup de perdre. Et j'espère là franchement qu'on a plus d'attaque parce que c'est vraiment très chiant là. Je l'ai réparé, mais la fois encore je le répare, ça devient là ça devient lassant quand même. Ok, bon, bah on a toute notre vie, donc on va attaquer les loups pour qu'on puisse avancer un petit peu. Yes, on fait quand même beaucoup plus de dommages, j'ai l'impression. Hop. Continuer à avancer. Ah, un truc qu'on peut récupérer. Le mouton, on va essayer de se le faire. Allez, c'est pas la peine. On va attendre que les bestioles là se barrent. Récupérer le nid. Allez, 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 allez. Putain. Les baies, on les récupère. Ok, alors, qu'est-ce que je peux manger là-dedans? Mince, c'est quoi ça? Bon, le poussin, est-ce qu'on peut l'avoir? Non, on va pas assez vite pour le... Mince! J'ai un poussin. Mais comme on peut le voir, j'ai le poussin, mais j'ai perdu la cage. Et je voulais pas. Je ne voulais pas l'utiliser. Donc je vais devoir récupérer en fait du bois pour construire ce nid-là. Bon, ça va, avec l'arme, on fait quand même beaucoup plus de dommages. Ah si, il y a encore du bois. Je me disais là, ça fait un bon moment qu'on voit plus de bois là. Yes. Allez. Ok. Et maintenant voilà, je... Alors ça c'est vraiment chiant quand même. J'ai rien mangé pour booster un peu ma santé là. Jeter, ouais, je peux rien faire. Voilà, c'est pas trop ce que je veux. Je vais devoir avancer doucement parce que là, j'ai pas le choix. Et là j'ai que du bois de merde parce que j'aurai que des branches. Bon c'est pas grave, je vais quand même récupérer les branches. Mais bon c'est pas ça qui va trop m'aider. Hein. Ah là il y a peut-être de la nourriture ici.
récupère un peu de vie, mais bon, je marche toujours aussi lentement. Non. Santé moins 40, ouais. Ouh, faut pas que je mange ça. Alors, le bois là, je peux pas... Ah, si. Et voilà. Et il va me bloquer le passage. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. J'étais vachement loin, pourquoi il m'attaquait? Bon bah on rebalote, on a reperdu de la vie, enfin du... des sous. Et je vous rappelle que si on tombe à zéro, je crois qu'on peut plus revenir à la vie. Donc ça, ça va être très chiant là. Ça c'est les attaques qui m'ont... qui nous ont mis dans la merde. Hein. Voilà, et pique ça là. Voilà. Et on se barre à toute vitesse. Ok. Franchement, ça m'ennuie parce que c'est le bois qui m'en fout là. Et le bois. Ah, le poussin, j'aurais pu l'attaquer. C'est pas grave. On va récupérer ça. Ouais, j'ai dit de bois. Allez, hop. On tente le tout pour le tout. Si je peux avoir un peu de nourriture après, ça peut être bien. Comment ça marche déjà? Pour ramasser des œufs ou des plumes, placez les poulets dans la case supérieure. Les œufs ou les plumes apparaîtront dans la case inférieure. Comme ça alors. D'accord. Et si je le monte en level. Ouais. Vous voyez, dès qu'on commence à monter en level, ça coûte trop cher. Voilà, ça coûte trop cher. Ça coûte, mais alors trop cher. Ça, on va essayer de l'avoir. Non, il se barre. Un peu d'arbres. Ça serait bien d'avoir des arbres. Le poussin, il se barre. On l'aura pas. Ah, et on a monté un peu de ville. Au lieu d'avoir 600, on a 630. Ah, un peu. Ouais, il faut que j'utilise l'âge. Oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est pareil, il me donne que des petits arbres. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est... On ira dans la mine, franchement, si on n'a pas beaucoup d'arbres. Allez, 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 allez. Hop, on se barre en courant. Ah, ça c'est bon à prendre. Voilà, 85. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Je me rappelle plus ce que c'est. On va aller faire un tour. Je crois que c'était un donjon, mais j'en suis pas sûr parce que des fois, c'est pas des donjons et c'est des, c'est autre chose. Si c'est des donjons, donc on va se barrer. Donc ça c'est un donjon et on va pas y aller. Tout simplement parce que je suis pas équipé pour. Et on a pu voir des rats. Hein. Oh, le poussin, est-ce qu'on l'a? Allez, allez, allez. Ouais. Ah,
Ah oui, c'est vrai, faut aussi que je répare ça. Ok, bon, ben, je vous propose, c'est de retourner dans la mine. De toute façon, on n'a pas le choix. Est-ce que j'ai de la place là-dedans? Ok, je vais stocker tout ça. Enfin, une bonne partie, quoi. On va stocker pas mal de choses. J'espère que je vais pas me faire attaquer pendant un certain temps, quand même. Que je puisse un peu refaire un stock de nourriture ou des choses du genre. Parce que là, franchement, ça va pas du tout. Hein. Hop, alors, ça. Des glands. J'en avais pas ici. Non, je n'ai pas, ok. Ça, je garde. Des champignons. Je mange. Ouais, mais bon. De toute façon, toutes ces ressources-là, je vais les retrouver en bas. C'est pas la peine que je les range vu que je les récupère après. Alors ça m'ennuie beaucoup parce que j'aurais voulu refaire le plein de bois, mais vu que j'ai pas assez de bois en haut qui pousse assez rapidement, on va devoir retourner dans la mine. Dans la mine, c'est pas que ça me gêne trop, mais disons que je peux pas trouver de la nourriture, quoi. Et je sais qu'à la surface, je peux essayer d'en avoir, donc. Bon, enfin bref. En avant. Ok, c'est pour creuser en bas. Et puis, il faut aussi que je répare en haut. Voilà. Argile, ouais, c'est bien ça. Je vais pouvoir réparer. Non, je peux même pas réparer parce que j'ai même pas. J'ai même plus quoi. Pour l'instant, ce qui est bizarre, c'est qu'on trouve aucune porte. De squelette ou sorte de tambour, je sais pas quoi. Bon, après c'est pas plus mal. De toute façon, je pourrais pas les attaquer. Ah, il y a quelque chose en dessous. Je me fais aussi un stock de ressources aussi. En plus, j'ai pas mal de sel là, j'en ai 3. Donc c'est bien aussi. Champignons, je vais. Ouais, je vais les prendre quand même, on sait jamais. Même si ça me sert pas à grand chose pour l'instant. Je pense que pour l'instant ça sert à rien en fait d'aller en bas parce que je crois que c'est aussi une mine tout simple. Ça sert à rien d'y aller. Je peux réparer, ça c'est sûr. Hop, hop, de la pierre. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais en bas? Est-ce qu'il y a une salle quelque part? Est-ce qu'on peut en voir une? J'ai pas l'impression qu'on peut en voir une. Donc ça sert à rien de descendre. Enfin, de ce côté-là. Mais bon, de toute façon, on ira.
Ça, c'est sûr, mais disons que là, ça ne me dit pas en fait d'aller en chercher pour l'instant. Là, la priorité, c'est de descendre encore. Ok, donc là, quand il y a de la fumée comme ça veut dire qu'il y a une porte ici, dans les coins ici. Ah. J'ai cru voir. Grande araignée rose. Voilà. Ça veut dire qu'il y a une porte où. Donc ça, c'est pas bon. Faut pas y aller. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir de ce côté. Et en espérant que tout va bien se passer. Ouais, du fer, c'est bon, ça, c'est... Le fer, franchement, si je peux en avoir beaucoup, ça m'arrangerait. Je ferai des armures, des choses du genre. Ah! Elle s'arrête déjà ici. Ok, on va devoir creuser vers le bas. On va devoir creuser vers le bas. L'araignée, elle est où? Elle est ici. Ouais, je pense pas pouvoir creuser. C'est risqué ce que je fais. Ah ouais, je m'en doutais. Je m'en doutais. Mais je crois qu'elle est bloquée en fait. Ouais, elle est bloquée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va remonter. Ah, je peux pas remonter comme ça. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me faire des flèches. Je crois qu'il me fallait juste du fer, je crois, ou pas de lingot. Je crois que c'est juste du fer, tout simple. Donc, des lingots de fer. Oh, punaise. Pourquoi on a besoin de lingots de fer pour faire des... C'est dingue, ça, quand même. Ah, c'est un jeu qui est très dur et qui prend 10 plombes à faire quelque chose de correct. Un lingot de fer pour à peine 5 flèches, quoi. C'est fou, hein. J'aurais voulu faire des flèches, mais... Ah, je pense que c'est les flèches. Si je peux tuer le... Le truc, ça pourrait être intéressant. Oh, mais ça me fait beaucoup de flèches. Ah, mais j'ai pas de plumes. Je peux faire que 15 flèches. Ok. On va aller en haut pour voir si on récupère des œufs ou des trucs du genre. Ça serait des œufs, ouais, ça serait peut-être bien avoir aussi des œufs, comme ça on puisse se faire de la nourriture. Ça pourrait être intéressant. Est-ce que je peux réparer? Je crois pas parce qu'il me faut du bois. Ouais, je m'en doutais un petit peu. Par contre, dis-moi que t'as... Ok, t'as des œufs. Les œufs, je peux prendre aussi. On va essayer de tuer avec nos 15 flèches. Je pense que ça devrait suffire quand même, hein, au moins... faire pas mal de dommages. J'espère juste qu'elle reste coincée, ça serait super. Ah, ça a l'air de marcher. Ouais, pas mal, pas mal. Je sais pas ce que j'ai récupéré, mais... J'ai récupéré viande d'araignée, plus 10 de PV. Ah,
bah c'est bien. Par contre, elle fait mal quand même. Donc, je propose qu'on... Qu'est-ce que tu me fais, toi? Qu'est-ce que tu me fais, toi? Non, 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 non. Tu redescends. Donc là, j'ai fait une porte ici. Je vais donc pas creuser, continuer à creuser, parce que... Grande araignée rose. Il y en a encore ici, et je pense qu'il y en a tout le long, là. Donc, on va pas le faire. On va plutôt descendre. Et on va miner... de ce côté. On va continuer à miner de ce côté. Alors, recherche de ressources, c'est un petit peu... un petit peu chiant et un petit peu long quand même. Et si je peux récupérer encore du fer? Oh, déjà 5 morceaux. Ok, c'est bien. Les flèches, j'en ai 15 encore. Bon, je pensais que j'en avais fait que 15. Des œufs, je crois que je peux faire une omelette avec du sel, je crois. On va aller voir ça tout de suite. On va aller voir ça tout de suite. Ouais, je pense que c'est bon. De toute façon, j'y retournerai, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, ça devrait être bon. Alors pourquoi je fais mes portes en dessous directement? C'est pour aller plus vite en fait pour descendre. Parce que quand on fait plusieurs étages, eh ben, je peux vous dire que c'est très 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 long d'à chaque fois descendre étage par étage. Et je pense que ça, enfin j'espère du moins qu'ils vont changer ce système là, parce que je trouve ça très très chiant. Alors, omelette. Yes, on peut faire des œufs. Alors, donc, je fais ça. Yes, on a des omelettes. Ok. On va avoir de nouveau 24 minutes. Je crois qu'on est déjà à une demi-heure là, mais on n'a pas assez avancé, je trouve. Donc ce qu'on va faire, c'est, je vais essayer d'avoir quelques poussins. Vous n'avez plus de flèches. Ah bah ouais, c'est bizarre hein, j'avais 15 flèches quand j'ai regardé et là j'en ai plus. Bon, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. De ce côté, il y a déjà des loups, donc je peux pas y retourner. On va juste voir ici s'il y a... Ouais, bah, c'est bien. Il y a aussi encore des œufs. Je vais aller encore de ce côté pour voir s'il n'y a pas des arbres qui ont poussé. Ah, mais si, mais d'un coup, j'ai de nouveau des flèches. C'est bizarre, ça, quand même. Ah, c'est parce que ça m'a rééquipé en fait des flèches. Ok. Ah, c'est bien, c'est bien. Beaucoup de... Le mouton, il me le faut par contre. Ok. Ouais, le mouton, il me faut. Et là, il y a énormément de... d'arbres. J'hésite à essayer de tuer le sanglier, mais il est super costaud. Les arbres là, on va les laisser. Je sais pas si je peux pas récupérer ça. Ok, moi je vais juste plonger ça alors. Voilà. Oh, 3 de laine, ça c'est bien ça.
Ok, bon, bah, on a plutôt bien avancé quand même. On a refait un petit stock de nourriture. Trois là, je vais pouvoir les faire. On a quoi? On a un petit peu de ça. On a quelques plumes. Ouais, je trouve que ça, c'est pas mal. C'est encore pas mal. Faut juste. C'est le bois là. Là, franchement, ça m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est plutôt pour le bois là. Parce que. Je vais pouvoir peut-être monter en level pour pouvoir le faire plus grand. Ouais. Ouais. Sinon, ce que je pourrais peut-être faire, c'est ça. Mais c'est pareil. Il me faut du matos que je n'ai pas. Bon, eh ben, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. De toute façon, je ne pense pas pouvoir faire quelque chose d'autre en plus. Ouais, je ne pense pas pouvoir faire quelque chose d'autre en plus. Donc, on va s'arrêter là. Donc, j'espère que cet épisode vous a plu. Et si c'est le cas, mettez un j'aime et abonnez-vous. Allez, à plus.